En Zouglou, ça réussit toujours. Nous venons d'apprendre à l'instant l'arrestation et l'extradition en Côte d'Ivoire de l'activiste de l'opposition Steve Biko vivant en Mauritanie. Nous voulons préciser qu'il ne faut pas le confondre à Steve Biko du PPACI, qui est Fabrice Lago à l'état civil. Écoutons ensemble son épouse confirmant l'information, suite à la conversation qu'elle aurait eue avec des autorités de la Mauritanie. Vous blaguez hier des bidons à 23h hier. De 19h à 23h. Jusqu'à 23h. Et à 4h du matin, ils m'ont dit qu'ils sont venus avec lui à la police, à l'Interpol. Donc j'arrive là, on me fait balader. Je suis allé dans un point, on m'a dit que c'est pas là-bas. On m'a envoyé dans un autre point. Quand je parlais avec les policiers, il y a celui qui est parti en Côte d'Ivoire. J'ai dit, il est parti en Côte d'Ivoire. Il dit, ah, il s'en va. Donc, tout de suite, j'ai su qu'il a été extradé. Ouais. Donc, ils ont voulu te cacher ça. Voilà. Tu n'as pas pu appeler, comment on appelle, des connaissances proches du président, Laurent Gbagbo? Le petit président, que je connais bien, ils ont entendu que le monsieur ne soit pas là. Il est actuellement en voyage. D'accord. Comme ils ont su que le monsieur n'est pas là, comment ils ont activé? Ça, ils ont activé ça. Ok. Mais faut te calmer, faut pas pleurer, hein. Faut te calmer. Ils l'ont amené à Abidjan. Allô? S'ils l'ont amené à Abidjan, de toute façon, ils ne vont rien lui faire. Ils n'ont pas le droit de le toucher. Nous, on va communiquer dessus pour ne pas que quelque chose lui arrive. Voilà. En Zouglou, ça réussit toujours!